Ntabwo tuvuze ngo ingabo z'u Rwanda cyangwa se ingabo z'umuryango w'abibumbye n'abamarayika n'intungane, ariko nk'uko ubivuze muri iyo myaka 20 ishize bakora ako kazi hirya no hino, ibyo bibazo ntibyigeze biza. Bivuze ko bitabaho, birashoboka, ariko icyo turacyemeranywaho yuko ibyo bibazo bitaba. Bivuze yuko ku birebana n'imyitwarire na discipline no kuba no kuzuza inshingano babahawe, basanzwe bikora neza. Batanabikora neza ntibamara imyaka 20 muri ako kazi hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Niba bashobora kujya muri Mozambique ejo, bakajya muri Sudani y'Epfo, bakaba ari muri Central Africa ejo, bakabahamagara ahandi, babahamagara kubera ko bakora akazi kabo neza. Kubirebana no kubungabunga umutekano cyangwa se n'ibyabaye bibaye na ngombwa no kurwana kugira ngo bagarure umutekano no gufasha abaturage baho ngaho baba bagiye gusura. Ikindi navuga ni uko kubirebana n'ibyaha ibyo ari byo byose ingabo zakora, ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda burabikurikirana by'umwihariko iyo ari n'ingabo zagiye mu muryango w'abibumbye, ni ukuvuga ngo zihagarariye u Rwanda mu ruhando rw'amahanga. Icyo ni ikintu abantu badashobora gushidikanyaho, byakabaye na byiza n'uwanditse iyo nkuru cyangwa se niba ari n'ikirego uko twabyita kose n'ababanza kubigarukaho bakabanza kagaragaza yuko mu myaka 20 ishize nta kibazo cyabaye, wenda nawe ahubwo kanibaza ati bigenze bite n'uko bibaye. Uyu munsi rero ni na ngombwa kwibaza ngo ninde wabyanditse, uyu muntu wabyanditse agamije iki, uyu muntu wabyanditse asanzwe iyo birebana n'u Rwanda abyitwara mate. Ushobora gusanga bifite aho bihuriye n'ibindi bimaze iminsi bivugwa cyangwa n'izindi gahunda. Uravuze uti bije bite, murabyumva mute? Biragaragara ko muri ino minsi mu bihe bitandukanye ariko bikurikirana iyo usesenguye neza usanga ari gahunda ihari yo gusiga icyasha u Rwanda uburyo bwaboneka bwose. Mu minsi ishize muzi abanyamakuru bishyize hamwe bakora inkuru ku rupfu rw'umunyamakuru, baravuga se n'impanuka se baramwishe se, ugasanga barashyiramo
ugushidikanya ariko kujyana ku nta nkete yabaye hari dossier kandi ya police ibimwe bakabivuga ugasanga bashyizemo abakozi muri za ambassade muri Afrika y'Epfo bakabikora nkana ese niba uyu munsi banditse ibingibi muri ibyo bitangazamakuru ibingibi bivuze the new humanitarian na le monde aho wendaho muri iyo gahunda aho ntibari barimo umuntu akabanza akabisuzuma nabyo akabigaragaza wasanga bari barimo kavuga ni gahunda ikomeza ibyo ngibyo rero byaravuzwe ko tushyira ingufu mu nama mpuzamahanga kugira ngo duhishe ibibera mu Rwanda koko wahisha ibibera mu Rwanda ahubwo ugahamagarira abantu 2500 kwitabira izo nama byaravuzwe dukorana biri u Rwanda rwakoze mu rwego rwa tourisme visit Rwanda Arsenal Paris Saint-Germain Bayern de Munich no kugira ngo tugire ibyo duhisha ibyo bintu urabize neza ko izo gahunda zigenda zivugwa gahoro gahoro muri iki gihe ariko ubona ko biri ku murongo nk'ibyateganyijwe hari tugarutse rero ku kibazo by'umwihariko mwabonye ko ari n'itangazo ryakozwe n'ingabo z'u Rwanda baragusonera neza bakakugura yuko kubirebana naho ziba nta musivili uhinjira adafite icyaha akora kizwi ku mugaragaro cyangwa se yabanje kwandikwa n'uvunga abantu gusaba gahunda afite ibyo aje kuhakora afite ibyo ahazanye umuzi bakubwira bati ni umudamu ucuruza imbuto n'imboga wahafatiwe n'umusirikare w'u Rwanda none se ikigo cy'ingabo z'u Rwanda ikigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye gihaha ku Gataro bahutuntu kamwe kavuka hariya ntibishoboka umuntu yahaje ati yaje gukora iki byari ryari ariko ku rundi ruhande rwagaragaza ntushobora kuhinjira ahandi bavuze ni imijyi ibiri bavuze ingabo z'u Rwanda zagaragaje yuko zitigeze zikambikayo zitigeze zijyayo niba se zitarigeze zigeze zijyayo ese niba ingabo z'u Rwanda ziri kumwe n'izindi ngabo wasobanuye neza niba ari kumwe n'izo muri Zambia cyangwa muri Namibia bose baba bambaye iniforume zimwe ariko nabonye by'umwihariko buri wese yambara akadarapo k'iwabo ariko ibindi byose bikaba bisa unaniwe gutandukanya ibyo bintu ku buryo uvugira muri rusange ntekereza rero yuko niba ingabo z'u Rwanda kandi ubuyobozi bwabo bavuze bati ibyo bintu nta byigeze biba binabaye twabyikurikirana twanabahanira by'umwihariko tugomba kwemera ibyo ingabo zacu zivuga ntabwo tugomba kwemera gusa ngo ni uko iyo bivuze bitanabuza yuko anabivuze nanone utanagenzura niba hari uwabikoze akanyura mu myenye y'intoki ubuyobozi bigakurikiranwa hanyuma rero hari n'abaturage babajijwe ahubwo baravuga bati ahubwo mbere bataraza ibi byaha byo gufata abagore ibyaha byo kubasagarira nibyo byari byuzuye ahangaha turi none kuva ahubwo bahagera ibyaha byarashize ibyo byaha by'umwihariko kuri ibyo ngibyo barabajijwe uyu munsi rero ntaho tubona ahubwo aho banabajije abaturage bavuga ati ingazi ingabo ziratumaze babivuga n'itumanaho risanzwe uyu munsi ni rigezweho dufite ahantu hose kuri telefoni ibyo bintu ntibimenyekane ndumva rero ni ibyo kwitondera kuko bigaragara ko hari gahunda ihari yo kuba umuntu agenda asiga isura ashaka kwangiza isura y'u Rwanda ariko ibyo ntabwo bizabuza gahunda u Rwanda rufite kuzikomeza et surtout en réaction par rapport aux articles publiés par le journal Le Monde et The Humanitarian le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda Alain Mukurarinda s'est exprimé au micro de notre confrère John Patrick il y a quelques minutes où il parle justement, il réfute et il rejette en bloc les accusations portées par ces deux journaux et surtout il réitère la volonté du Rwanda à toujours mettre la sécurité des populations en avant. La position du gouvernement rwandais est d'abord que les violences sexuelles ou contre les civils par les casques bleus, spécialement par l'armée rwandaise qui fait partie des casques bleus, ces violences sont inacceptables et pour l'armée rwandaise et pour le gouvernement rwandais. Donc si ce genre de crime devait être commis, ils seraient punis d'une façon sévère. La loi est claire
et l'armée rwandaise ne va pas jouer en ce qui concerne la discipline, en ce qui concerne la réputation et l'efficacité de l'armée rwandaise. Je pense d'ailleurs que la personne qui a produit cet article aurait dû aussi commencer par expliquer comment l'armée rwandaise, on a confiance en l'armée rwandaise depuis maintenant 20 ans, où l'armée rwandaise a été déployée un peu partout en Afrique pour aider au rétablissement de la paix, ou s'il s'agit même de faire la guerre pour la faire, pour rétablir la paix, et par après s'occuper de la population locale. Je pense que ça, ce sont des constats qui ont été démontrés par l'armée rwandaise, qu'aujourd'hui, on est, je dirais, un peu surpris de voir qu'il y aurait eu des crimes et qu'on essaie de les imputer à toute l'armée rwandaise. Ça, ce ne serait pas correct. Deuxièmement, je pense qu'il est tant qu'aujourd'hui, si quelqu'un produit un article, il faut aussi examiner quelle est sa position par rapport au Rwanda, quelle a été dans son histoire, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi subitement essayer de ternir l'image du gouvernement rwandais ou de la population rwandaise ou du Rwanda tout simplement. Aujourd'hui, il ne faut plus prendre pour vérité un article parce que ça a été fait en Occident ou parce que ça a été fait par telle personne. Il faut tout analyser. Il faut voir l'historique de la personne qui a produit l'article. Et après avoir expliquer cela, il faut aussi savoir que l'armée rwandaise a produit un communiqué où elle a démontré que le fait de dire que ces crimes auraient été commis par l'armée rwandaise, c'est pratiquement impossible. On parle d'un viol qui aurait eu lieu dans une base, dans un camp militaire où sont logés ces militaires, alors qu'il est clair qu'on ne peut pas, en tant que civil, accéder à ce camp si au départ vous n'êtes pas enregistré ou si vous n'avez pas une mission spécifique, une mission spéciale ou une activité officielle. Sans ça, vous ne pouvez pas rentrer dans la base. Et puis on nous parle que du fait que la personne qui aurait été violée vend des légumes et des fruits. Est-ce que dans son genre d'institution, c'est pas comme ça qu'on va se nourrir, c'est pas comme ça qu'on va acquérir ce dont on a besoin pour nourrir son armée. C'est des grands marchés qui sont donnés, des marchés publics qui sont publiés pour lesquels les gens vont compétir. Donc probablement que cette façon de faire ne correspond pas à la réalité de ce qui se passerait dans un genre de base. Deuxièmement, on nous parle de deux villes où ces crimes auraient été commis. Mais l'armée rwandaise a bien expliqué que les casques bleus ou l'armée rwandaise n'ont jamais été déployés dans ces deux villes. Bah, cela ne veut pas dire que un des militaires peut y aller personnellement durant son temps de détente, durant ses congés. Mais dans ce cas aussi, il ne faut pas, si le crime est commis, vouloir l'imputer à toute une institution. Donc je pense qu'il est il faut être très prudent, il faut analyser. Et la personne qui a écrit, qui a produit l'article, pour voir pourquoi. Et puis, n'oublions pas que depuis ces derniers temps, on a l'impression, ce n'est même pas une impression, s'il y a un programme qui a été établi où de temps en temps on sort ce genre d'articles, des interviews, des films qui essaient de ternir l'image du Rwanda, que ce soit en matière judiciaire, que ce soit en matière politique, que ce soit en matière
des relations entre le Rwanda et les autres pays pour dire que voilà ce que le Rwanda fait en fait. Le Rwanda, le gouvernement Rwanda essaie de cacher la réalité de ce qui se passe réellement dans son pays. On critique le fait qu'on a investi dans des équipes à l'étranger pour promouvoir que les jeunes et pour promouvoir que les gens viennent visiter le Rwanda. Avec le Visit Rwanda. On prétend que parce qu'on organise des réunions internationales, on veut cacher quelque chose, on veut nous montrer tel que nous ne sommes pas. Donc tout ça, il y a un programme qui a été prévu, et ça se voit très bien quand vous analysez qu'il y a, y a une ligne de conduite qui a été établie pour salir l'image du Rwanda en général et spécialement l'image du gouvernement. Donc je pense que ce qui est très important, c'est que la population continue à vaquer à ses occupations et je dirais à ceux qui croient qu'en produisant ce genre d'articles, en produisant ce genre d'interviews ou ce genre de films, cela ne va pas empêcher le Rwanda et les Rwandais de suivre le chemin qui s'est tracé pour pouvoir se développer.